waiting for the perfect moment, and no more indecision, and no more lies, no more weakness. Now is the time for strength. And through strength, and through will, and through unwavering discipline, I will become who I want to be. Suffocate your bullshit excuses and go do something. Stop running from it and run to it. Stop telling me what you're going through. The greats, they get to it, they go through it. And the harder it is, the better. Make it work. Let's go. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm trying to tell you, you can win. You can win. Despite the circumstance, you can win. Despite the adversity, you can win. Despite the situation, you can win. Despite how much money you got in your bank, you can win. Despite the fact if your parents in your life or not, you can win. Despite the fact that you started behind, you can win. You can pull it off. No excuses. No more complaining. No more giving up. What's that thing that's going to... Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'on a un invité surprise, Monsieur Saladin Parnasse. Donc ça faisait longtemps que vous voulez me voir tester les sports de combat. Donc là on se retrouve avec le prodige français du MMA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je te laisse te présenter rapidement, Saladin. Salut l'équipe, moi c'est Saladin Parnasse, combattant professionnel de MMA. Je fais du MMA depuis l'âge de 11 ans. Aujourd'hui je suis au KSW, une des plus grosses organisations européennes, même mondiale. Et voilà, j'étais l'ancien champion de cette organisation. Et je combats le 18 décembre pour reprendre ma ceinture. Le 18 décembre, prochain combat. C'est ça. Et t'étais champion en 2020 l'année dernière. L'année dernière, quoi. Ok. Même pas l'année dernière. Ok, donc plutôt un beau combattant. Voilà. Les objectifs long terme, ça va être quoi? D'être le meilleur de ma catégorie. Hein. Et rester dans cette organisation ou passer... Franchement, je sais pas après. Je pense, pourquoi pas à 26 ans, à l'UFC ou voir comment... Parce que t'as 23 ans, tu l'as pas là, dit, Là, j'ai 23 ans et voir où ça va m'amener. Et poids de corps? Poids de corps, ça. 65 kilos. Donc, un beau bébé. Et donc, qu'est-ce que tu me réserves pour aujourd'hui? Bon, là, on va faire un entraînement grappling but. Et puis, on a un autre entraînement ce soir. Là, on va rester sur le grappling but et un peu de physique à la fin avec la sobac. Donc, on va commencer. Let's go. Donc, au programme aujourd'hui, là, il est 13h. Ça va être la première séance juste nous deux. Avec, comme dit, un focus grappling lut. Et ce soir, c'est quoi du coup ce soir? Il y aura plus de ce monde. Ce soir, c'est des cours ouais, avec des compétiteurs. Ça va être un peu dur. Plutôt du MMA. Ouais, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Même la lutte, en vrai, j'en ai jamais fait. C'est ça. Donc, là, je vais suivre Saladin. Il va faire tout l'échauffement. Il va montrer les techniques, les petits conseils. Bon visionnage, merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, allez donner de la force sur Insta, YouTube t'as pas encore. J'ai YouTube. Actif ou... Ouais, un petit peu. Ça arrive. Ça arrive. Vas-y, j'espère que t'es chaud. Ouais, j'espère que c'est à moi d'être chaud et let's go, frère. Je te suis. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't. C'est chill. C'est chill. En même temps, on peut voir ce côté. Ok. En avant. Ouais. Top. 1, 2, 3, 4. Top. En montant pour faire sprawl. On va venir ici. Derrière. Faut lever les fesses ou garder les fesses basses? Normal quoi. Marcher comme ça. Là, coupez là. Là.
suite. Saladin a décidé d'être méchant. Du coup, je me cherche des excuses. Mais en fait, j'ai pris le train à 7h et j'ai pas vu. Non, moi, je travaille à 7h. On commence, hein. On commence. Hein. À la gauche. On commence. J'arrive pas. On s'est stoppé. Ouais, mais je crampe du mollet, regarde. On s'est trompé. Mais on va s'arrêter. On est obligé de recommencer. Mais... je veux bien, mais. Mon mollet, t'as pas fait. Vas-y, l'autre jambe. Mental, voilà. Ah 17 secondes, c'est rien, 17 secondes, c'est rien. Je peux plus.
Je sais pas comment il est aussi faible. Allez, 10 secondes. Même pas 7 secondes. Alors on saute, on saute. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mec. Là, il est en train de se dire. Putain, c'est une bite en fait. Non, non. Mais gros, mon mollet crampe. Faut que ça va plus vite, ça va pas. Impossible de tenir 2 minutes. Moi, je regarde cette vidéo, je vous mets au défi. C'est quoi, 2 minutes? Vous voulez pas 2 minutes là? Non, mais il faut faire 2 minutes, ouais, c'est impossible. Tu sens rien toi, la mollet? Non, ça va, je suis bien. Training fini. Non, c'est pas chaud, quoi. Toi, je vais en face de toi. Tu vois, pose la tête. Regarde comme ça, regarde. Ok, faut regarder les pieds. Voilà, tourne-toi de côté. Comme toi. Voilà, voilà. Et là, avec les deux en touche. On en fait 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. On lève les genoux ici, on lève les genoux, on écrase bien ici. 1, le nez touche, hein. Le nez touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, on va continuer. On continue. Ah bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le côté. 1, 2, on écrase. Hein. 17, 18, 9, 20. C'est pas fini. 25, c'était 25. Allez. Comment? C'était 25. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va venir ici. On ne pose pas les genoux, on ne pose pas les genoux. On vient ici, on garde la queue 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se retrouve en arrière. Ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tient, on tient, on tient. On recommence là. On tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tient. 8, 9, 10, 11, 12, 15, s'il te plaît. 13, 25, 14. Tiens, tiens. Je peux pas. On va recommencer. On a 14, allez. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On tient. 21, tu poses, on recommence. 22, 23, 24 et 25. J'ai jamais fait le coup quasi dans ma vie. Je viens de faire une série de mi-rep. Il va se passer quoi demain matin, tu penses? Au coup? Frère, je vais avoir une minerve musculaire. Vas-y, dis-moi ce qu'on fait. Voilà, on a fait l'échauffement. Là, on va passer au training, le vrai training. On va faire de la lutte et du grappling. On a un coach là-bas qui s'appelle Cut. Donc, on va faire du grappling directement parce qu'on ne peut pas prendre une technique en une seule séance. Et on ne peut pas faire que l'échauffement plus longtemps. C'est ça. Donc, on va tourner un peu, on va faire vraiment 5-6 rounds. 5-6 rounds, on tourne. C'est être libre, hein. C'est-à-dire que c'est plus de la lutte, de la lutte. Non, mais explique-en, parce que je ne sais pas faire. En gros, il y a des soumissions, tu vois. C'est comme si tu faisais un corps à corps, t'as déjà fait un corps à corps. J'ai jamais rien fait, gros. T'as jamais fait un corps à corps? Rien, mec. Le premier qui tombe au sol, rien. Un délire comme ça, bah, c'est à peu près comme ça, tu vois. Tu fais ça, en gros, tu dois pas te laisser tomber par terre et tu dois pas te laisser faire, tu dois pas te laisser soumettre. Ah, je dois pas laisser tes bras, te prendre une clé de bras. Tout le monde peut me soumettre, je crois. Non, t'inquiète. En fait, je crois que tu sais que c'est le coup, quand t'es pas habitué, ça te monte dans le crâne. Mais c'est bien. Parce que les muscles qui tirent sur. T'as vu, des fois quand tu tombes, tu peux mal atterrir et ça va mal. Alors là, on est bien échauffé, tu vois. C'est pour ça que c'est important, parce que. Il va m'afficher sur YouTube. Non. On a fait 25 minutes. 25 minutes, ça va être. Le titre, ça va être. Ça, c'est bien, ça. Je fais la lutte contre Saladin, ça tourne mal. Non, t'inquiète. J'ai mal à la tête. Là, on part pour 5 minutes, hein. C'est-à-dire essayer de défendre, tu vas bouger, pas te soumettre. Ouais, pas de problème. Ouais, pas de problème.
Lutte, là, du coup. Ouais, lutte. Mais ça sert à rien, je prends le pied, c'est parce que... Ah oui, mais t'es pas marrant. Non, non, non. Est-ce que ça pote sans boulot? Ouais, ouais. Ok. Vas-y. Vas-y. Voilà. D'abord, laisse ton jeu, tu vois. C'est ça. Il passe après. Voilà. Ah, ok. Et tu reviens vers moi, ok? Tu m'accroches direct, tu vas se coller. Voilà. Ouais. On refait. Vas-y, comme bien. Hop. C'est ça. Merde. Voilà, ça fait pas. Tu fais le réflexe, hein, genre, toi, on te prend comme ça, tu fais direct, ouais, ça. Direct, naturellement. Je jamais que je suis au sol. Genre, quand j'étais là, essayer de prendre le pied, tu peux faire quoi? Déjà, tu prends l'appui avec ton bras, avec ta main. Ouais. Tu te détends avec ta main, pourquoi? Parce qu'avec le coude, t'as pas énormément de mobilité. Avec ta main, tu peux te dépasser, d'accord? Toi, tu veux tout de suite prendre le pied. Déjà, écarte ma tête de toi. Okay. D'accord, je fais comme ça. Là, je fais comment? Là, on est comme ça. D'accord? Je fais là. Moi, voilà. Toi, t'es avec ta main là. Moi, ce que j'ai fait, t'étais sur ton coude. Ouais. Je suis venu récupérer ton coude et pousser vers l'avant. Là, ce que tu vas faire, tu prends un appui sur ta main. Tu vois cette main-là, tout de suite tu dégages moins vers l'extérieur, voilà. Et tu te relèves. Et calme-moi, voilà. D'accord. Et surtout quand t'es au sol, ne donne pas ton dos à l'adversaire. C'est toujours que tu remontes comme ça. Le mec qui travaille au sol, si tu lèves comme ça, tu vas perdre un des. Tout de suite, la première chose à faire, c'est trop de voler, tout ça. Paris contre un champion du monde. Oh putain. C'est comme si tu fais une compète de crossfit avec Matt Fraser. C'est pas
Allez, ça va le relever, ça va le relever. Ok, vas-y. Donc tout, fais tout pour te relever. Relève-toi, tu vas tout faire pour relever. Descends. C'est ça. Allez, c'est parti, allez. Mec, lâche-moi, allez. Juste deux secondes. J'ai une remontée. De... Mais en fait, c'est frustrant. Tu fais un truc et ça bloque. T'inquiète. T'as envie de tuer, c'est normal. Là, j'avais appris. Comment ça, il faut se mettre à plat ventre et ramper, non? Je t'ai pas habitué parce qu'il y a un mur en fait. Ouais. À la lutte, y'a rien. Non, on va se bloquer. Si tu m'as mis contre le mur, je me suis dit merde. Ouais. C'est ça le problème, les gars, c'est que vu que j'ai de la force, je crispe tout. Et y'a tout le sang, mec, c'est pour ça que j'ai mal au crâne. On lâche-toi, je crois. J'ai plus le sang dans le cerveau. Allez, c'est parti. Là pour défendre, tu fais quoi? Hein? Avec ça, tu vas mettre un coup, tu vois. Tu fais quoi, moi? Tu vas ouvrir, regarde. Je vais venir ici, regarde. Vas-y, approche. Tiens-moi comme tu le tiens. Attends, je suis pas contre. T'es en dessous? Ouais, non, de côté. Avec mon bras, là. Comme ça. Là, tu fais ça, t'as vu? Ouais. Tu vas venir ouvrir ici. Ouvrir ici, et là. Très bon, moi. Il y a une sortie. Là, tu vas venir ici. T'as vu, on va essayer de passer. Ok. Ok. En gros, ça fait ça. T'as vu, t'es là, il tient. Là. Et tu reviens prendre la vie. On va voir, tu vas prendre la vie. C'est le réflexe. Il y a un sens. Là, c'est ça. Voilà. Là. Tout doucement. Voilà. Lève. C'est ça, cette jambe là passe là. Et viens, viens me chercher après. C'est ça. Ok. Ouais, donc c'est pour vous renvoyer. Parce que sinon ça va se lancer. C'est pour ça. Tu vois, tu montres ton nez, tu peux tomber. Tout de suite, t'avais fait exprès, du coup, j'ai du mal. J'ai bien aimé, celui-là. Je l'ai fait dans mon dernier combat. Ça c'est veut quoi, dire c'est que. De quoi, du coup? Pour prendre le dos, tu vois. C'est-à-dire que tu sautes sur l'adversaire, voilà, en passant dos, tu sautes et tu ouvres tes jambes ici, comme ça, tu vois.
Et après, il tombe, il glisse comme un toboggan, tu vois. J'arrive pas à imaginer. Il glisse comme un toboggan, tu vois, dans la vidéo. Donc c'est toi qui attaques. Ouais, tu vois, dans la vidéo, tu pourras la mettre même dans la vidéo. Dans mon combat, je l'ai fait. Et contre Diego aussi, je l'ai fait. Tout le monde me l'a demandé. Je vois que t'as inventé ou... Ouais, c'est un truc que j'ai fait. Ouais, que j'ai fait perso. Ok, trop chaud, il invente. Vas-y, comment? Bah après, je te... Doucement, hein. Ouais, c'est okay. On commence debout, on va dire que j'ai son dos. Tu sais que ça va mieux là. Ah, c'est bon sang, il est redescendu. J'ai son dos là. Cette technique reste solide, hein. Reste solide. Ça se joue bien. Tombe pas, ok. Ouvre tes jambes un peu. Cette technique, t'es là. Tu viens t'ouvrir ici. Allez, tu vas la refermer. Et là, tu peux trembler. Ici. Oula. Tu peux passer en juji. Ici. Oh. Vas-y, on le fait. Mais fais-le là, comme ça, on voit l'autre. Je vois le dernier. J'ai son dos. Ouais. Ouvre un peu tes jambes. Là, ici. Là, il y a la chose. Là, tu peux être en ici. Et moi, je peux faire quelque chose là ou pas? Bah, là, c'est compliqué, hein, vu que j'ai ton dos. Ouais, ouais. Tu vois? Et si jamais ton adversaire, il a pas les jambes écartées, tu lui fais... Je le fais pas. Okay. Attends vraiment qu'elle est écartée, ouais. Attends vraiment qu'elle est écartée, je suis posé comme ça. Je travaille un peu, je vais tenir là, il va écarter les jambes, et là, hop, je vais se retirer. Okay. Pour commencer au début, c'est mieux de le faire assis. T'as pas peur que les gens ils savent que tu fais ça maintenant? Après, faut faire attention parce que ça nique beaucoup les genoux, tu vois. Ouais. Donc au début, pour commencer, tu le fais assis, tu viens là. C'est comme une prise de JJB. En JJB, il faut beaucoup ça. Tu viens, tu vas ici, tu fais ça. Tu vois. On recommence. Je fais comme ça. Là. Sauf que moi, je le fais debout. Je le fais en sautant. Ouais. Tu vois. Et pour les débutants, c'est mieux de commencer comme ça. C'est dur quand même. Non, ça va. T'as juste à tirer et ouvrir la main. Ils tombent tout seul. C'est un truc de poids léger, non? J'imagine pas. Ouais, c'est un truc de poids léger quand même. Ouais. Ça, tu l'as fait dans ton combat? Je l'ai fait dans mon dernier combat. J'ai gagné grâce à ça. J'ai gagné grâce à ça. Signature. C'est ça. Voilà, il y a la pharmacie. La pharmacie. Bon, on fait quoi pour terminer? On termine à son bac. 3 groupes de 5 minutes. 5 minutes? Ouais. Résistance, c'est-à-dire qu'on va, on va tenir à une allure, une cadence genre entre 300 et 350, tu vois, et pas faire en dessous. What? Ouais. Non, là, il peut rester fini. Bon l'équipe, pour terminer le training, on va faire de la résistance, parce que pour les combats, c'est combien de rounds d'un combat? Ah, mais quand c'est pour le cheat, c'est 5 rounds, okay. 5 rounds de 5 minutes. Ouais, quand c'est pas pour le cheat, c'est 3 rounds. Ah, c'est pour ça qu'on va faire 5 minutes là. C'est pour ça, ouais. Ok, donc on fait quoi, 3 fois 5 minutes du coup? 3 fois 5 minutes. À moyenne de 300 calories, à peu près 300 watts. C'est dur quand même. Non, ça va. Ça va? Ouais, ça va. On va voir. Ok, c'est parti. C'est parti. Ça fait longtemps que j'étais pas autant dans le mal. Voilà, frérot. Bonne séance. Oh, attends. On souffle. Bon, l'équipe, training terminé. C'est ça. C'est fini. C'était cool. Bon, j'ai pas trop pu suivre. Il m'a mis dans le dur. Parce que je lui disais, ce qui m'a mis dans le dur, c'est les exos, je suis pas vraiment habitué. Le truc du mollet, ouais. Ça m'a terminé. C'était des crampes carrément. Après, le coup, c'est dur. Après, normalement, quand tu débutes, tu fais pas autant. Non, tu fais pas autant. Là, tu m'as fait parce que je fallait que tu suives. Voilà, c'est ça. C'était pour YouTube. Dans mon truc. Et du coup, ça m'a enlevé le sang du cerveau et après, je l'ai dans le dur. Et après, les petits sparring, c'était chaud quand même. Ça va. Sachant que le grand Black, il était pro aussi. Ouais. Toi, il était pro. Et l'autre, lui aussi, il y avait l'autre, il est prof de grappling. De grappling, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais, mais j'ai dit à Saladin que faut que je revienne quand j'ai un meilleur niveau cardio et que je sois un peu meilleur. Et d'ici là, lui, il sera encore plus fort. J'espère. Mais c'était cool en tout cas. Quand tu veux. Et il a dit, ça sera lui qui viendra au bas gym dans la salle. C'est ça. Pour training muscule. C'est ça. Voir ce qu'il vaut là. Mais par contre. Je l'emmène dans mon terrain de jeu là. Je pousse pas beaucoup. Hein. 1000 pompes et 500 tractions. En tout cas, frérot, c'était un plaisir. C'était un petit mot à dire. La caméra. Bah, n'hésitez pas à me suivre et. À donner de la force pour le combat le. Et 18 décembre. Pour bien terminer l'année. C'est ça. Confiant? Ouais, toujours. De toute façon, que toute ma communauté aille suivre et le soutenir sur YouTube, sur Insta. Merci. Merci frérot. Merci à toi. Et à la prochaine. Salut. Ciao l'équipe.